Jeudi matin, j'ai pas encore ouvert les volets. Ça a été très compliqué. Depuis ces 2 jours, je sors d'une migraine, mais la migraine carabinée, qui a fait que j'ai rien pu faire et surtout bah, la nausée. Et là, ça y est, j'en sors. Donc j'ai rendez-vous ce matin, prise de sang. Je suis allée voir mon médecin pour qu'on contrôle mon taux de fer parce que je sens qu'il est de nouveau au plus bas. On va en même temps checker cholestérol parce qu'avec la pilule, il faut vérifier vu que ça fait que 1 an et demi ou 2 ans. Bon, ça fait très peu de temps que je la prends. Là, il m'a donné, je pense comme beaucoup, vitamine D. À prendre, il m'a dit en flux, pas en une dose, parce que d'habitude, il donnait les doses. C'est moins bien dans le sens où après, tu évacues le produit dès que tu veux, avec l'urine. Donc là, au moins, c'est en continu sur 3 mois. C'est 3 petites gouttes tous les matins. Voilà, ça c'est fait. Donc on va aller au labo. J'attends Eric, il voulait venir avec moi. Après, on passe à la boulangerie, forcément, pour le petit réconfort. Et après, la journée va pouvoir commencer. Il faut que je montre quand même quelqu'un. Plus près de sa mère, c'est pas possible. Ah bah ça y est, Eric est prêt. C'est pas possible. On revient, puis tu auras une deuxième dose de croquettes. Oui. C'est papa? T'as vu comment il te regarde? T'es prêt? Voilà. Alors je vais voir les résultats ce soir. Ça c'est cool. J'ai du pain au chocolat et des croissants. Il est presque 11h. Je me suis bien avancée sur mes 2 jours déjà de retard. J'ai mis le poncho, je l'adore, il est confort, il est beau en plus. Et j'ai même laissé mon truc en dessous pour être vraiment tout douillet. Ce que je ne vous ai pas dit concernant cette prise de sang, je ne me rappelais pas, mais il m'a fait également le dosage du sucre. Mais pas juste voir ton taux de sucre, non, il m'a dit on va faire un truc plus poussé. Genre pour voir si je fais du diabète. À ma connaissance, je n'en fais pas. Il m'a dit on va voir donc sur 4 mois et ça va être vraiment un indicateur. Un truc qui fait peur, t'imagines, on détecte le diabète, ah, c'est la merde. Bon, y a pas de raison, mais même si au niveau du sucre, je suis un petit peu... j'en mange, quoi. Et également au niveau des reins. Bon, la créatinine, je crois. Je vous dis, il y a de tout. Et ça, on va voir tout ça tout à l'heure. J'aime bien quand on a les résultats directs. Concernant la recette du multicuiseur, qui semble vous avoir pas mal plu, même si il y a eu pas mal de moqueries. C'est légitime, j'étais très bon enfant et c'est normal. Ma maman est passée. Et elle me dit, j'ai vu ta vidéo. C'est avec un air un peu pique, comme ça, un peu pincé. Je fais, oui, et alors? Elle me dit, bah, j'étais pas contente. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi? En gros, c'est pas sérieux ce que tu as fait. Faut lire le mode d'emploi, t'aurais pu te brûler. Enfin bon, bref. T'es pas très contente. Donc, la deuxième recette que je vais faire, comme je vous ai dit, je pense qu'il y aura beaucoup plus de produits. Je vais me pencher un peu plus, même si là, j'ai compris qu'il y a des modes qu'il faut activer avant de démarrer. Le truc sous pression, il faut évacuer. Enfin, je me suis un petit peu plus penchée sur le sujet. Mais je voulais vraiment, pour cette première recette, faire un one shot sans rien vérifier. Ce qui n'est pas bien, on est d'accord. Et notamment, c'est vrai qu'avec la vapeur, quand tu n'es pas au courant, j'aurais pu me brûler. Et elle était là, elle me dit, mais même ton petit chat, je le voyais, il te regardait, il aurait pu avoir très peur. Non mais c'était drôle. Bref, oui c'est vrai. Je ferai plus attention pour la deuxième recette. Et j'aimerais bien aller faire les courses vers les coups de midi. Je dis pas que je ferai la recette cet après-midi, c'est possible, mais dans tous les cas, si c'est pas cet après-midi, ça sera demain. Il est 11h30, vous savez quoi, je crois que je vais aller chez le coiffeur. Non pas pour me faire un truc, parce que j'y suis allée il y a 2 semaines, mais justement il y a 2 semaines, elle m'a donné un échantillon, enfin 2 échantillons, shampoing de la même marque et soin. Je l'ai utilisé sur 3 shampoings et je l'ai trouvé génial sur mes cheveux, enfin à tout point de vue. Parce que tous ceux que j'achète souvent au supermarché, enfin les trucs pas très chers, franchement, soit ça graisse, soit ça s'en mêle, c'est pas terrible. Et là, alors certes, je pense qu'il va coûter cher, mais au moins, je suis sûre d'avoir un produit qui va faire du bien à mes cheveux. Si je suis motivée, parce que je vais être très honnête avec vous, je me sens un petit peu faiblette, hein. Je pense que c'est, je vous dis, ça fait plusieurs jours que je titube, j'ai la tête qui tourne. Vivement que j'ai mes résultats ce soir, qu'on sache qu'on cible et qu'on traite ou pas, mais bref. Donc je vais voir, si j'ai la patate, j'enchaîne chez Leclerc, mais j'aimerais pas faire un malaise là-bas. Mais je vais d'abord aller chercher le shampoing parce que j'aimerais bien demain me les relaver. Je vais évidemment vous montrer les produits en espérant qu'elle les ait. Alors on les trouve pas partout, hein. On est dans l'endroit où il y a tous les petits chats, la fondation qui les nourrit. Oh bah n'ayez pas peur les petits. Oh là là, il y a du monde là. Oui, ils sont 11 en général. Celui-là, ça doit être le frère du mien. Combien? 6 ans. Oui, bah c'est possible. C'est celui-là, je pense que c'est... la dame me dit que c'est bien possible.
ce soit de la même famille que Jack. Tu es de la même famille, toi, je crois, que Jack. Ben oui, c'est Félix. Bon, ils ont l'air quand même très bien, hein. Ils s'occupent très bien d'eux. C'est bon, j'ai tout. Je vous montre à la maison. C'est pas Sébastien, c'est une autre marque. Ça coûte cher. Ça, on va attendre d'avoir les résultats sur le diabète. Il y a quand même des trucs qui me donnent bien envie. Mais bon. On va se calmer. Attendez deux secondes, je fais une cure de vitamine D. Ce soleil, c'est assez rare. Nous sommes en novembre. Hein. Laissez-moi tranquille. Alors, je vous montre. 72,80€. Mais il y en a pour le shampoing 4 mois et le masque 6 mois. Voilà. Oui, c'est cher, mais ça vaut vraiment le coup. C'est la marque Système Professionnel. Ça, non, ça, c'est ce qu'elle m'a offert. Nous avons, donc c'est les deux de la marque Système Professionnel, mais il y a deux gammes différentes. Le shampoing, c'est le Repair Shampoo, comme le nom l'indique. Donc, c'est un beau format 250 ml. Lui, il va venir réparer la fibre des cheveux. Et celui-ci, c'est de la gamme Kératine Oil, Luxe Oil, qui va venir botoxer le cheveu. Donc le combo, ça et ça, ça va densifier, ça va donner de l'éclat et ça va normalement les fortifier aussi, mais les rendre hyper beaux. Et elle m'a donné également ça, c'est le shampoing, mais format voyage, qui est très pratique. Et si, comme elle le dit, ça dure 6 mois et ça 4 mois, honnêtement, si tu divises le prix, ça vaut le coup. Tous ces résultats sur là. De toute façon, on va le voir très vite, hein, parce que je vais utiliser que ça. Ça va, il est bien calme. Hein. Il ne faut pas prononcer le mot croquette. Je vous dis, il est encore au régime, ça fait plusieurs jours, il tient le coup. C'est compliqué par moments, surtout le soir. Il va pleurer pendant 30 minutes, 40 minutes, je ne cède pas, ce qui est dur. Et après, il va se coucher. Parce que c'est vraiment pour son bien, hein. Là, il a trop grossi. Par contre, j'ai eu des retours concernant cette partie. Vous me dites qu'il faut enlever le plastique. C'est pour ça que d'ailleurs, ça se gorgeait d'eau. Mais très honnêtement, si j'enlève le plastique, il y a tout qui part. Donc, il n'y a pas de plastique de protection. Là, par exemple, est-ce que vous voyez, il y a des bulles d'eau. Donc, moi aussi, j'ai eu ce réflexe de retirer la pellicule. Mais, en fait, c'est pas compliqué. Regardez, si je retire la pellicule, il y a tout qui part. Ah, si ! Ah, regardez ! Oh là là ! Ben voilà, nickel ! Je vais faire ma petite pause repas. Je vais faire chauffer ça au four, ces deux petits bouts de chèvre avec du raisin. J'ai envie de raisin en ce moment. Et en dessert, donc ça c'est plein de magnésium. Et c'est super bon, l'IPRO là. Il est noté A. Ce qui est bizarre, c'est qu'il est noté A. Et quand je l'ai scanné Yuka, il est médiocre parce qu'il y a 5 additifs. Mais bon, c'est délicieux. Pendant que ça chauffe, je vous montre la recette qui me donne pas mal envie. C'est le risotto aux poireaux et chèvre. Pareil, il y a très peu de besoin d'aliments. Le truc, c'est qu'effectivement, vous m'avez conseillé de faire les recettes de ce livre, quoi, spécial multicuiseur, mais franchement, ça me vend pas du rêve, quoi. Donc, je vais essayer plutôt de faire cette recette. Alors après, t'es pas obligé, voilà, ils disent que si t'aimes pas le chèvre, tu peux mettre du parmesan. Voilà, il y a des alternatives qui sont différentes. Avouez que ça donne envie. Ouais, regardez-moi cette merveille. Oh, j'adore ça. Bon, le look. J'étais tellement crevée qu'Eric m'a dit vas-y, on va regarder un film, on s'allonge, on se repose. Lui, il est en vacances, donc c'est bon. Parce que je vous dis, hein, je tiens pas vraiment debout. Je sais que ma tension, chez le médecin, elle était encore bien basse. Et faire des petits comme ça pendant 2 heures, se reposer, enfin moi, ça me fait du bien, je me recharge. On a regardé une comédie française, je l'avais déjà vue, hein, c'est L'Arnaqueur avec Duris, Vanessa Paradis. François Damien, celui énorme. D'ailleurs, je trouve que lui, c'est celui qui joue mieux avec sa collègue, la Julie. Je ne sais plus. Bon. Ouais, je viens de voir que mes résultats sont tombés. J'ai pas regardé, hein, mais je sais qu'ils sont là. Et il est 16h, donc on va regarder ça. Je suis en train de les imprimer. Première page. Alors, qu'est-ce que ça donne, ces petits résultats? Alors, j'ai même eu mon médecin. Parce qu'il y avait des trucs que je ne comprenais pas trop, et voilà, dans le doute. Il m'a rassurée, en tout cas, on a discuté. La première bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas de diabète. Et ça me rassure fortement. La deuxième bonne nouvelle, alors j'ai jamais eu un taux de ferritine aussi haut. Enfin, on s'entend. C'est bas, c'est très bas.
Mais pour moi, c'est haut. Je suis à 20. Habituellement, je suis entre 7 et 10. Ensuite, là où c'est pas terrible, mais ça n'explique pas mon état de grosse fatigue, c'est le cholestérol qui a encore grimpé. Et je me demande si c'est pas la pilule. Peut-être le fromage aussi. Je mange beaucoup de fromage. Et bon, il m'a dit, non, rassurez-vous, le cholestérol total est très élevé quand même. Mais le rapport bon cholestérol mauvais est correct. C'est ça qui compte. Non, il m'a dit dans l'ensemble, franchement, c'est très correct, c'est bien, il n'y a pas de quoi s'affoler. Donc, ce qui expliquerait mon état d'aujourd'hui, de ces derniers jours, très certainement, c'est le contre-coup, parce que ces derniers temps, je suis beaucoup sortie, j'ai fait des soirées, notamment des soirées jusqu'à 5h du matin, j'avais plus trop l'habitude, et plusieurs week-ends de suite. Donc, il y a eu ça. Il y a forcément aussi mon activité, les box, je me donne à fond. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de... Je sais pas comment dire, de soi en fait. Parce que comme je veux le meilleur, là par exemple, sans spoiler vraiment, pour les box même de... La box de Noël, de janvier, de février, j'ai des produits, j'ai réussi à avoir des produits... pour les box, mais tellement chouette. Mais ça demande la persévérance, c'est-à-dire on appelle, on rappelle, on fait des devis, on fait machin, on lâche pas. Mais ça, c'est tous les mois et sur plusieurs produits. Donc il y a peut-être ça aussi, c'est de la bonne fatigue, mais bon, bref. Il y a également le temps, mais le temps, j'ai envie de te dire, changement d'heure, ça fait que 2 jours, donc je pense pas que ce soit ça qui soit impactant. Bon, bah c'est peut-être une fatigue généralisée, je ne sais pas, mais en tout cas c'est pénible. Il m'a dit non, mais ce qui est, même pour le cholestérol, ce qui est bien, ce qui est paradoxal, c'est que vous avez une tension très basse, c'est ce qui explique aussi votre fatigue, mais c'est bien, vaut mieux avoir quand même une tension basse qu'une tension trop haute, en gros. Sinon, j'ai envie de vous poster le vlog ce soir, donc là vraiment, c'est à flux tendu. Au moment où je termine cette vidéo, enfin le jour où je la tourne, c'est le même jour où je vous la poste, c'est-à-dire que nous sommes jeudi, je ne sais plus, mais jeudi 4 ou 5 novembre, oui, c'est le jour pour le jour. J'ai envie que vous l'ayez parce que demain, j'ai des rendez-vous, je ne suis pas certaine de pouvoir vlogger. Et la prochaine vidéo, je pense que ça va être la recette. Je vous ai montré la recette, ce sera peut-être une autre, je ne sais pas, c'est ça qui est cool. Bon, en tout cas, je vous fais un gros bisou, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Bisous.